est venu vers moi, il m'a posé des questions. Il a demandé mon numéro, la cible marchande. J'ai répondu normalement. Mais à la fin, il me demande combien j'ai sur mon solde. C'est là, j'ai tiqué. J'ai dit, mais quel mandat tu as reçu pour connaître exactement mon solde? Cette activité a été initiée avec l'Office central de répression de la cybercriminalité et les réseaux de téléphonie mobile au Bénin parce que nous avons compris que les formes d'arnaque qui utilisent les réseaux de téléphonie mobile sont de plus en plus fréquentes dans notre pays. Et l'Office central de répression de la cybercriminalité reçoit beaucoup de plaintes à ce sujet-là. Donc, le projet, ayant eu vent de ces informations, a voulu quand même accompagner l'OCRC dans cette campagne de sensibilisation et d'information des abonnés des réseaux de téléphonie mobile pour qu'ils ne soient plus victimes de ces formes d'arnaque. Nous, très chers auditrices, auditeurs de Frisson Radio, et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la cybercriminalité et à l'arnaque. Directement, qui c'est? De façon précise. Précise, en fait. Maintenant, si on le fait, maintenant, tout le monde n'a pas encore CIP. SILPAC, est-ce qu'on peut constater encore une diminution du retrait effectué par le client encore? Nous avons constaté que beaucoup d'entre eux, que ce soit les distributeurs, que ce soit les usagers, se plaignent de certaines fraudes. Fraudes au gain, fraudes aux faux billets, fraudes à certaines opportunités. Et cette campagne que Enabel a lancée vient à point nommé parce que ça nous permettra, une fois d'entretenir les distributeurs qui sont au contact des marchands sur le terrain, et pour impacter et réduire ce genre de fraude-là. Ne pouvons pas passer de boutique de mobile money ou bien de flouze money chacune là. On pense qu'en regroupant les distributeurs par zone, ils pourront être le relais auprès de ces opérateurs de téléphonie mobile pour réduire, ne serait-ce que de façon sensible, ce genre d'arnaque auquel ils sont confrontés. Les registres de transactions financières. Le problème, ça part de là d'abord. Les registres de transactions financières doivent être renseignés. Si tu as un registre bien renseigné, en bonne et due forme, tu ne vas pas te permettre de faire capture de compte, de montrer à quelqu'un. Vous voulez vous passer telle chose, vous avez telle transaction. Si c'est enregistré, effectivement, là. Vous n'allez pas tomber dans cette travail-là. Vous ne pouvez pas aller faire l'opération à la banque et ne pas renseigner. Même si c'est la seule fois que vous voulez faire, prendre là. Vous renseignez toujours.